40 degrés sur la banquise existe depuis 20 ans. Nous avons une spécialisation de la franchise. Nous apportons en fait notre conseil auprès d'une cinquantaine de franchiseurs, donc depuis maintenant une quinzaine d'années en fait. Et notre conseil en fait est multiple. Nous faisons à la fois des relations presse, mais nous avons aussi une vision globale en fait des besoins en communication. Donc nous faisons aussi des sites internet et tous les supports de communication nécessaires pour les franchiseurs. Un site internet pour un franchiseur a des particularités, c'est à la fois donc des espaces comme dans les supports de communication, un espace donc qui est destiné pour le recrutement, pour recruter en fait les meilleurs franchisés, et que le candidat à la franchise puisse rentrer à le site directement. Il va donc découvrir les spécificités du concept, comment il est accompagné, les actions de communication, les actions de formation. Et bien sûr, donc l'autre partie du site va être lui axée vers le grand public, ou le B2B, enfin, tout dépend bien sûr des secteurs d'activité de la franchise. Et tous les sites que nous faisons sont faits sur mesure, avec des interfaces d'administration, mettre en avant bien sûr le réseau en lui-même. Nous faisons des communiqués de presse électroniques basés à la charte de notre client, qui est envoyée aux journalistes. La revue de presse également doit être en ligne. Nous faisons aussi des e-newsletters donc sur mesure, avec un outil autonome qui permet aux franchiseurs de communiquer auprès de ses franchisés. Donc, c'est une vision globale en fait des besoins en communication et en besoin, je dirais, de fonctionnement, de synergie entre le franchisé et le franchiseur, ses besoins en développement, ses besoins en communication. Et nous adaptons bien sûr, suivant dans l'audit que nous faisons, de l'état de développement de ce réseau, des objectifs de développement, des relations aussi avec les franchisés, la communication interne. Donc tous ces aspects-là sont abordés et donc nous adaptons notre conseil, notre mission et donc c'est un échange. Quel que soit l'état de développement du réseau.